aujourd'hui, on va à la rencontre de Gauthier, chargé de programmation digitale en alternance. Donc, si ça t'intéresse, tu laisses nous suivre. Hello Gauthier, comment tu vas? Hello, ça va et toi? Super, est-ce que tu aurais une petite minute pour nous présenter ton poste? Mais ouais, avec plaisir. Moi, je suis chargé de programmation digitale, ce qu'on appelle plus communément AdOps. Dans les faits, je suis chargé de programmer les publicités sur l'environnement TF1+. La semaine, elle est scindée en différents temps. En début de semaine, on va faire le point justement sur les campagnes qui se sont terminées durant le week-end. On va commencer à driver pour réceptionner les éléments pour les campagnes à programmer à venir. Et ensuite, la majeure partie de la semaine, elle est prévue pour la programmation. Ce qui est nécessaire, c'est d'avoir un très bon relationnel. Et de l'autre côté, le service client qui est indispensable pour répondre aux besoins du client. J'avais justement demandé quelles étaient les compétences à avoir sur ce type de poste en alternance. Je pense qu'il faut une certaine organisation, une rigueur, autant dans son travail que dans la manière de faire. Mais justement, ça, on l'apprend au sein de l'alternance. Et dans un second temps, il faut aussi avoir une capacité d'adaptabilité parce qu'on va apprendre des choses qui potentiellement, quelques semaines, voire quelques mois après, vont être amenées à évoluer et donc nous obliger à nous former en continu. À mon sens, la compétence primordiale, c'est le relationnel. Autant parce qu'on est amené à travailler avec une multitude de services au sein de la régie. Et là, d'être un poste qui est assez transverse, avec quel service tu es amené à travailler? Effectivement, le métier d'AdOps, il est vraiment au carrefour des différents services au sein de la régie et c'est un atout pour que tu puisses vraiment découvrir l'ensemble des métiers qui composent la régie et son fonctionnement. D'abord, on travaille beaucoup avec nos commerciaux qui, eux, vont vendre les offres qui sont pensées par le marketing, justement. Ensuite, on va avoir le revenu management qui, lui, va pouvoir jauger et estimer l'inventaire disponible et la faisabilité des campagnes que nous, on va mettre en place. Et il y a aussi une partie avec l'administration des ventes. Il me semble que tu étais sur le tournage du quotidien hier. Ouais. Comment ça s'est passé? C'était cool. C'était une activité de plus à faire. C'est vrai que TF1, au-delà du fait que ce soit une très bonne école pour apprendre, parce qu'on nous donne les moyens, il y a des formations, etc. Au-delà de ça, il y a une communauté alternant et stagiaire qui est très dense, très complète et qui permet justement de rencontrer du monde régulièrement à travers des événements qui sont organisés. Ça peut être justement des sorties type assister à une émission comme hier pour le coup, ou des talks qui sont organisés et qui nous permettent de rencontrer des personnes du groupe et qui nous présentent leur métier, leur expertise, etc. Donc ça c'est cool. Bah super, merci beaucoup Gauthier. Est-ce que pour finir, tu as un conseil à donner pour un futur candidat? Ouais. À partir du moment où ils intègrent le processus de recrutement, c'est que leur parcours ou leurs compétences, c'est OK. Et donc, il ne faut pas qu'ils se freinent là-dessus et à partir de là, être naturel. Et c'est leur personne qui va leur faire obtenir